Un bon bonjour à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le message intemporel, le petit conseil avec cet oracle chemin de soi, n'est-ce pas, de ce mercredi 23 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, avant de commencer, la petite pensée positive, n'est-ce pas, comme chaque matin. Se dominer, dominer ses pulsions, ne plus réagir sous le coup de l'émotion, maîtriser ses colères. Chaque victoire sur soi-même est beaucoup plus importante qu'un succès professionnel ou que n'importe quelle conquête personnelle. Voilà une belle pensée positive. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la carte numéro 34. Il est tellement simple d'avancer sur l'herbe tendre et illuminée par un doux soleil. C'est si facile que tu en oublierais très vite les détails importants. Sois heureux de rencontrer des cailloux, des éclairs, car ils se marquent en toi et te feront grandir. Le petit conseil de cet oracle pour cette carte, au point de vue finance, eh bien, encore une fois, soyez bien à l'aise pour prendre ce qui vibre en vous. Ça parlera à certains et ça ne parlera pas à d'autres. Et vous avez encore votre libre arbitre, n'est-ce pas? Alors côté finance, attention de ne pas trop dépenser dans les moments d'aisance financière afin de ne pas devoir faire sans cesse des sacrifices pour ne pas manquer d'argent. Et on vous invite à tirer des leçons du déséquilibre que vous avez déjà eu. Donc ne répétez pas ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez déjà fait. Essayez ça porte des fruits et tirez des leçons de ce que vous avez déjà vécu. Donc voilà, ça c'était le petit conseil pour les finances. Côté sentimental, eh bien, les habitudes peuvent s'installer très vite. Et avec elle, le manque de communication. Alors on vous demande d'être vigilant et de rester à l'écoute d'un regard triste derrière un sourire. Bien oui, vous savez, quand on est en couple depuis un certain temps, il peut s'installer des habitudes. Et malheureusement, eh bien, on est à côté un de l'autre et on ne se voit plus, on ne se parle plus. Voilà, il n'y a plus de communication, on ne regarde plus l'autre. Eh bien, si vous voulez sauver votre couple et que votre couple change, eh bien, changez ces mauvaises habitudes qui se sont installées dans votre couple. Reprenez de la communication ensemble, du dialogue. Vous savez, dans un couple, lorsqu'il n'y a plus de communication, ce couple va vraiment à la dérive. Donc communiquez, dialoguez au lieu d'avoir un monologue et regardez l'autre que vous ne regardez plus. On a l'impression qu'il est transparent à côté de vous. Et ce sont ces mauvaises habitudes qui se sont installées dans votre couple. Donc, essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin, n'est-ce pas? Côté professionnel, ce n'est pas parce que l'ambiance est un peu tendue que vous ne pouvez pas exceller dans votre travail. Cela vous demandera juste, eh bien,
un peu plus d'attention et vous en serez grandi. Et je termine pour le conseil spirituel. Eh bien, s'il vous semble que vous êtes un peu trop éparpillé à trop vouloir apprendre des autres, eh bien, c'est le bon moment de vous recentrer et de vous retrouver face à vous-même. Ça, c'est une magnifique thérapie, se retrouver face à soi. Je termine avec la petite carte de Ho'oponopono. Ne laisse l'amour divin se répandre. Non, je laisse, pardon, excusez-moi. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Donc je répète, lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, eh bien nous pouvons ressentir ainsi sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppe dans une sorte de cocon protecteur. Waouh, beau message aussi, hein. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et puis d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.